drinking soon. Et on est reparti. Donc, nous allons voir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Alors, je pense que aujourd'hui, ça peut être possiblement. On est à 29 kilos. Ça peut être possiblement le dernier jour qui se passe normalement. Ah oui, on va poser ça. Qui se passe normalement. Est-ce qu'on garde ça? On va garder ça. Là, on pose. Parce que... Alors, on va aller regarder. On va aller regarder ça. Si les pots... En fait, quand est-ce que les pots vont être prêtes? Est-ce qu'on a un fait-tout? On a un fait-tout. On va garder le fait-tout. On a un métal. Ah oui, c'est parce qu'on voulait réparer la scie. Alors, on va regarder un peu les pots. Dans quel état elles sont. On va réparer la scie. Je crois pas qu'on ait besoin d'aller à l'établi pour ça. Donc on va faire ça. Comme ça, on sera prêt. Ferraille, réparer. Okay. Et alors j'ai dans l'optique où on va au barrage pour récupérer du métal. Très bien, 89%. Du métal parce qu'on n'en a pas. Mais le métal, c'est pas, ça va pas être intéressant en fait de faire ça. On va prendre le sac de clé parce que j'ai un truc en tête. Je pense aller à Muskegmore maintenant. Pourquoi? Parce que on va pouvoir en fait manger plus ou moins tout et n'importe quoi. Ah oui, il faut prendre notre dose de médicaments. La dernière fois, on est allé récupérer les antibiotiques. Qu'on en prend deux. Voilà, très bien. On va prendre les médicaments au lieu des tisanes. Voilà, très bien. 18 doses sur 20. Alors... Parce que en fait, elle va être de plus en plus fatiguée. Vous savez, notre endurance maximum en fait va être amoindrie et notre vie aussi. Donc, ça va être de plus en plus dangereux en fait de faire les choses. Donc, du coup, je pense qu'on va aller voir l'élan, si on peut faire l'élan. Bon, déjà, il faut compter les peaux. Donc, on a une peau, deux peaux de loup, trois peaux de loup, trois séchées. La quatrième, elle est... Je l'ai mis où? La quatrième, je l'ai mis là. Donc, quatre... donc, trois séchées, ok. Quatre, dont trois séchées. Donc, il en faut combien pour les vêtements? Il en faut quatre. Je crois bien. Donc, quatre. Trois séchées. Sept jours, je crois qu'il doit... C'est à combien? C'est à 22%. Il doit rester au moins quatre jours, voire cinq. Quatre jours, cinq. Donc voilà, on n'a pas... Ça, c'est pas pour maintenant. Alors, fourrure de serre, on a une, deux... elle est à 50%. Trois, quatre. Et la plus basse, c'est celle-là. 30%, c'est 5 jours total. Donc, il doit rester au moins 4 jours, 3 jours et demi. Et il en faut combien? 3 ou 4? Il en faut 3. Donc, une, deux, 57%. Et là, c'est 41%, il doit rester de 3 jours. Ok, donc dans 3 jours, donc c'est pas maintenant. Et après, on a le manteau de l'ours. Donc ça, c'est fait. Et ça, 87%, donc il doit rester, c'est 12 jours total. Il doit rester au moins 2-3 jours. Pareil, bon, ok. Donc tout tourne autour des 2-3 jours. On va prendre de l'eau. Oui, on va prendre de l'eau parce qu'on va aller vadrouiller. On a pris le sac de couchage. Très bien. Ça, on va le garder parce que j'ai peut-être envie de faire une torche si jamais on en a besoin. Oula, l'arc 14%, d'accord. Ok. On va prendre... on a combien de flèches? Par contre, j'espère qu'elle prend le... J'espère qu'elle équipe... Non, non, faut que tu prennes... Par contre, faut pas que tu fasses la conne. Faut vraiment que tu prennes celui-là. Hein. Ouais, faut vraiment que tu équipes celui-là. On a 5 flèches de côté. On a 6 flèches en tout. On va en prendre 7, 8. On va prendre 2 flèches de plus. On va boire et on va prendre de la nourriture. On va se casser. On va manger. On va manger. On va un peu se goinfrer même. Voilà. Ok, très bien. Ok, c'est parti. On a des allumettes, on a la torche, on a le fire steel si jamais on est dans la merde. On va prendre ça. Si on en prend 3, non, 3 c'est trop. 3 et 2, ah, très bien. Ok, let's go. Alors, il y a deux options. Alors, où on part, comme j'ai dit... Bon, il fait un peu froid, c'est un peu chiant. Comme on part au barrage... Qu'est-ce qu'on va faire au barrage? On va découper des...
des étagères, on va récupérer du métal, c'est pas intéressant, ok? C'est pas fun. En plus, on connaît, c'est pas vraiment intéressant. Mais le problème, c'est que vu qu'on est malade, alors on a un bon côté des choses et il faut en profiter, en fait, ce bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est qu'on peut manger de la viande de carnivore. On peut manger de la viande de loup. Et Muskegmorn, il y a des tonnes et des tonnes de loups, plus l'élan. L'élan va avoir énormément de viande sur lui, donc ça va être un peu une galère pour tout récupérer. Mais ce qu'on veut, nous, c'est la peau. C'est absolument la peau. Bon, par contre, il fait froid, un peu relou, et il y a un brouillard, c'est bien. Ah, donc, non, me dis pas qu'il va y avoir une tempête. Non, 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 j'avais tout prévu. Eh merde. Ah, on va attendre que la tempête se calme. Ah, fait chier. Ah, merde. Merde de chez merde. Bon. Voilà, le bon côté d'être malade, parce qu'il faut quand même trouver un bon côté, c'est qu'on peut manger de la viande de loup avant d'être cuisine niveau 5, donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir être... on va pouvoir en fait manger loin et juste en, avec des loups. Donc je veux utiliser ça à notre avantage. Et je veux le faire maintenant parce que maintenant, en fait on a un debuff à chaque fois. Notre endurance maximum et notre vie maximum baisse. Ah oui, on peut pas lire, c'est vrai. Baisse. Et au bout d'un moment, ça va être tellement bas que bah, ça va être dangereux, en fait, de sortir. Parce qu'elle va se fatiguer extrêmement vite, etc. On n'avait pas un livre sur nous. Ouais, on va le déposer pour le moment. Ah, cette tempête, elle tombe tellement mal. On a plein de boyaux séchés. On va faire des fils. On peut faire des collets aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut faire des collets. J'avais dit que je voulais faire des collets. On a combien de fils sur nous? On a 6. On va en faire 2 de plus. Enfin, 2 fois 2. Comme ça, on en a 4. Comme ça, on en a une dizaine. Oui, c'est ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, par exemple, le top, ça serait que, bon, il fasse pas trop froid. Voilà, on a 10 fils. Il fasse pas trop froid. Et du coup, on va en déposer. Et du coup, on se retrouve à Muskegmorn. On récupère du bois, on fait du feu. Si on tue un loup, par exemple. Et ce qui va se passer, c'est que on pourra manger directement la viande de loup sans problème. Ça c'est intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. On va faire un collet ou deux. Parce qu'on a tout ça de sec. 30 minutes pour faire un collet. Donc voilà, c'est ça mon optique. Parce que là, on n'a vraiment pas besoin de faire attention à ce qu'on mange. On a juste à... Non, on fait un deuxième. On a juste à manger ce qu'on trouve. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment un peu l'avantage. Bon, par contre, le coup de la tempête, j'avoue que c'est un peu pourri. On va réparer ça. J'avoue que ça va nous foutre dans la merde. Alors on peut pas lire parce qu'on est malade. On a pris notre dose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Des flèches, on peut pas en faire plus. Parce que... On a une pointe, on a pas de plume. On a une plume. Ok. On a une seule plume. On a pris notre dose de médicaments, oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour passer le temps? Ah, on peut réparer les vêtements encore. 45 minutes.
faut qu'on récupère du tissu à chaque fois. J'arrête pas de le dire, mais faut vraiment qu'on le fasse. Ça fait passer du temps et ça nous monte la couture. Voilà, 66%. Ok, le temps se calme. Merde. Ok, si tu loupes, j'arrête. Ok, on n'a plus de tissu, donc on va devoir en prendre dans la réserve. J'aime pas trop faire ça, mais on va en prendre 5. Ouais, il faut vraiment qu'on trouve un endroit avec du tissu. Ok. On est à combien de calories? 1004. C'est quoi le maximum? C'est 3000 ou c'est 2005? Je me rappelle plus. 3000, je crois. Non, 2005, c'est bien 2005. On va prendre de l'eau. Ok, elle n'est pas extrêmement fatiguée encore, donc on va pouvoir y aller. Okay. J'espère, prions, prions, pour qu'il fasse pas froid. Ok, parfait, ok, ok, ok. Ah, par contre, elle est déjà au maximum. Ok, c'est parce qu'on a beaucoup d'eau. Pas grave, l'eau on va la boire. C'est pas très grave. Ok, c'est parti. Donc oui, vous voyez que sinon on va être bloqué, on va tourner en rond, ça servira à rien. Donc je veux qu'on avance, donc on va essayer d'aller à Muskeg Morn et se faire l'élan. Et ce qui est bien aussi, on va récupérer ça, le bois et tout. J'ai fait des collets, j'aurais dû les laisser à la maison, les collets, non? Est-ce que ça va vraiment être utile? Ils sont où les collets? Jeter leur, non. Oh, ça marche. Parce que quand on va revenir, on va aller de ce côté-là, donc... Hop là. Alors, moi, j'ai jamais fait les collets comme ça. J'ai jamais utilisé les collets comme ça. Ce que je faisais, c'est que j'allais à des endroits où il y a des lapins. Je mettais les collets par terre. À l'époque, hein, à l'époque, avant qu'ils mettent le coup des pierres, de lancer les pierres. Et je courais après les lapins pour les faire aller dans les collets, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'utilisais, moi. Alors, je sais pas si les laisser comme ça, un peu aléatoirement, ça va faire quelque chose. Mais on va voir. Ça fera un peu une expérience pour moi aussi. Mais voilà, il faut utiliser le fait qu'on puisse manger de la viande de loup. Et d'ours, et n'importe quoi. Faut vraiment utiliser ça. Parce que sinon, on va pas avancer dans notre aventure, là. On va rien faire. Et ce qui est bien de pouvoir tout manger, c'est que, imaginons, parce que là on va sûrement combattre des loups, c'est obligé. Donc, on va combattre un loup. Si jamais on a froid, on peut directement faire un feu à côté du loup, faire cuire sa viande, la manger. Donc on se maintient toujours avec des calories très très hautes. Et après, on peut... voilà, on peut directement manger, se réchauffer en même temps, vous voyez ce que je veux dire. Alors que si jamais on n'était pas malade... On pourrait pas manger la viande de loup, quoi. Donc il faudrait vraiment chasser le cerf si vraiment on doit manger. Alors que là, non, non, là non. Et chasser le cerf ou le loup, c'est beaucoup plus simple de chasser le loup, quoi. Parce que le loup, c'est le loup qui nous chasse. Donc du coup, voilà, ça rend la chose beaucoup plus simple. On a beaucoup plus de chances de tomber sur des loups que sur des cerfs. On va directement aller sur le côté gauche. On va voir un peu comment ça se passe. Alors s'il y a des trucs à récupérer, on a le sac de couchage pour dormir à l'extérieur si jamais. On l'a réparé aussi. Alors ok, maintenant on se concentre. Et on fait attention.
pas en avoir sur la droite aussi. Mais... Ok, loup 1. Ok. Ok, on va utiliser ça. Il est où? Il est là, ok. Ok, ça a pas l'air très haut. Ok, on est bien. Elle a le bon arc. Non. On est bon. On a loupé notre... Ok, on a une hémorragie, tout va bien. Ok. J'ai loupé ma deuxième flèche. Ok, on va peut-être se réchauffer maintenant. On a quoi? Risque d'infection aussi, ok, ça marche. Ok, très bien, très bien. Est-ce qu'on a beaucoup de feu? On a ça, et il fait pas extrêmement froid. Donc on va pouvoir faire un feu maintenant. On va faire un feu maintenant. Histoire de se réchauffer. Très bien. Très bien, ok. Ok, ça se passe bien. On a perdu un peu de vie parce que on est tombé, on est un peu mal tombé. J'ai loupé mon deuxième tir, c'est pas grave, ça arrive. Mais c'est un peu embêtant. Ok. Oh yeah, that's a good one. Ok, on devrait être bon. Je pense. Non, peut-être pas, il en faut peut-être un peu plus. Il en faut un peu plus, je pense. Il en faut un tout petit peu plus. Il commence à faire froid. On a un peu de bois de récupération, mais je voudrais éviter de taper dedans. Beaucoup de loups ici, hein. beaucoup de loups. Est-ce que d'hypothermie on rentre? Ok. Si jamais... Je vais être honnête, si jamais... C'est trop la merde, on se casse. Hein. On n'est pas loin de chez nous. Ça va. Ok, si jamais on a des gros problèmes, on s'en va. Ouais, le temps commence à faire froid. On va prendre ça. On va le prendre au couteau. Ça va aller plus vite. Voilà. Tac. Tac. On a 1h40 de feu. Il faut 50 minutes. Ok, très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va mettre le sac de couchage aussi, si on peut. Ok, c'est... Ok, d'accord. Ça peut être pas mal, c'est un concept. C'est un concept. Et on va dormir 1 heure le temps que ça se fait. Et que le...
Ouais, dormir, on ressent 7 et on a 5 de bonus parce que le sac de couchage. Donc, très bien. Ok. Ok, on a encore 50 minutes de feu. Très bien. On va manger ça. Ok. On a la peau à récupérer. On peut récupérer la peau. Attendez, parce que là, c'est un peu la merde. 50 minutes. On peut récupérer la peau du loup aussi. On va pas le faire. Parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ok, parfait. C'est pas ce qui nous intéresse pour le moment. On va laisser la viande en surplus ici, je crois. Parce que sinon, on va devoir la trimballer. On va se faire opérer de très loin. Et on va encore dormir une heure. Ça se passe bien. Vous voyez que... Voilà, de pouvoir faire ça, en fait, ça change un peu le gameplay. Ça nous rend beaucoup plus aventurieux, en fait. On peut aller plus loin et tout ça. Et très bien. Parfait. 14 minutes. Voilà. Non, elle pose les mauvaises choses. Ça, on va le garder pour un leurre, je pense. Ok, ça, c'est bon. Hop. Hop. Faudrait qu'on pose un troisième steak, en fait. Ah, si on garde le leurre, ça va être... on va se faire aggro de très loin. On va laisser ça comme ça. On va boire. Et on est reparti. Et on est reparti. Il y a plus assez de... Est-ce qu'on peut utiliser... Oui, on a détruit la torche. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, let's go. Ah, il fait un peu froid, c'est un peu le problème. Faut qu'on récupère du bois. On va avancer de ce côté-là parce qu'on l'avait vu de ce côté-là. Donc voilà, on est calories max. Hydratation max. Ok, il y a un loup pas loin, sur la droite. On va prendre de la hauteur pour voir un peu comment ça se passe. Okay. Donc on est déjà aggro, c'est bien. Par contre, on a un brouillard un peu affolant là. Je vois pas le sol, on dirait qu'il n'y a pas de sol en fait. Ok, là on a un problème. Ok, on va retourner vers le... on va retourner vers notre feu. J'arrive pas à le voir. Ok, le plan ça va être de retourner vers notre feu. Et... Ah, je le distingue un peu. Et de le faire comme on a fait le premier. Et peut-être d'attendre que le... que le brouillard se dissipe. Parce que j'avoue que là, c'est pas vraiment... pas vraiment top. Ok, on y est. C'est bon, il arrive. Okay.
Okay, on est prêt. On va toucher. Merde. On l'a tué. Exactement la même histoire encore. Exactement la même histoire. Ça aussi, c'est vrai que le fait de... Il faut trouver la flèche. Le fait d'avoir des flèches qui font mal, ça nous aide énormément quand il se passe ça. Ok, à la froid, est-ce qu'on a... Non, ça va. Nos vêtements... Nos vêtements, ça va. Ok, c'est bon. Ça se passe bien. Donc ça fait deux loups. Très bien. Je pense que... Quoi ? Là, c'est un problème. Ça devient un peu débile. Ça devient un peu absurde. il fait combien de degrés? Moins 10. On n'a pas assez de bois. On a 7 et 2. Il faut un peu plus de bois. Bon. je crois qu'on va rentrer. Je crois qu'on va rentrer. C'est un peu con, mais je crois qu'on va rentrer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de bois. Et le problème, en fait, c'est... on a combien de flèches? Ok, on n'en a pas perdu, ça va. Le problème, c'est que... on n'a pas de visibilité. Et Muskeg Morn, sans visibilité, non merci. Honnêtement, non merci. Non, ça non. Ça non. Ça, je le fais pas. Ça, je le fais pas du tout. Alors après, faut voir le bon côté des choses. On a pu faire 3 loups. 3 loups, ils sont exactement au même endroit. On va prendre du bois chez nous aussi. Ils sont exactement au même endroit, donc on peut récupérer de la viande, on peut récupérer la peau encore. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on a un peu avancé quand même. Oh, boy. Oh, boy. It feels like my stomach is burning. Elle a mal au ventre. Vous voyez, on n'est pas loin, on a avancé. Mais en gros, dans l'idée, c'est ça. C'est d'utiliser le sac de couchage à côté de... Ouais, non, je crois que ça marche pas. C'est utiliser le sac de couchage à côté d'un cadavre de loup, faire un feu, etc. Et de manger du loup, en fait, constamment. Par contre, je crois qu'on va devoir déposer un des arcs. Parce qu'elle est en train d'utiliser celui qui est en bon état à chaque fois. Donc c'est un peu embêtant. On voit strictement rien. Oh, on a le... Ça c'est le pire en fait pour Muskeg Morn. C'est vraiment le pire, c'est de rien voir comme ça. Oh, c'est emmerdant. Bon, par contre, on a pas vraiment très bien combattu, parce qu'on a perdu pas mal de vie en combattant, là. Mais bon. Euh...
faut monter, faut dormir. On va dormir le plus possible. Et on va retenter l'aventure. Donc on va pouvoir encore aller à côté des carcasses et récupérer la viande si besoin. Voilà. Ok, très bien. On est à 50% de vie, c'est pas top, mais... Alors, on est en surpoids. Ça, on va le déposer. Ouais, 2%, on va le déposer. Que ça prend de la place pour rien. On va l'utiliser, il va casser. Donc, pas la peine. On l'utilisera... on l'utilisera si jamais... on va prendre de l'eau, pardon. On l'utilisera quand on sera chez nous, en fait. Quand on sera là. On a ça. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut un peu enlever quelques trucs Ça. Les tisanes, c'est 0,10. Je crois qu'il faut qu'on prenne nos médicaments aujourd'hui. Le Fire Steel, c'est ça. Ça. Est-ce qu'on va avoir le bonus? Je pense qu'on va avoir le bonus dans pas longtemps. Ah oui, il faut manger. Je pense qu'on va avoir le bonus des 3 jours. On va avoir 5 kilos. On va pouvoir porter 5 kilos de plus. Oui, il faut prendre notre dose. Il est quelle heure? C'est midi, ouais. Genre tous les midis, on va prendre une dose. Voilà, 17 sur 20, très bien. Parfait. On a 3 de ça. On a pas... Ah, la lumière a peut-être pas besoin d'en prendre autant, mais ce qui est embêtant, c'est que ça va nous forcer à prendre du... à faire du feu et à faire de l'eau si jamais on en a pas assez. Donc nous sommes repartis. Nous sommes repartis. Muskegmorn, c'est reparti. Alors est-ce qu'on va s'arrêter et faire du feu ou c'est qu'il y a les loups pour faire à manger? À la limite on n'a même pas besoin de prendre à manger sur nous. Tellement que... Enfin on pourrait aller là-bas et récupérer les loups mais bon. Ouais, non, les coller, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment les mettre où il y a des lapins. ouais. C'est pas grave. On va pas les récupérer, parce que sinon ça fait du poids. On va simplement les laisser là. Et après, quand on aura... on les récupérera. Il fait un peu froid. Moins 12. Moins 12, c'est quoi? Une quinzaine de bois? En fait, faut calculer comme ça. Faut voir un peu. Est-ce que ça vaut le coup de faire un feu ou pas? Est-ce qu'on peut tenir dans le froid? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on a assez pour faire un feu fort? Il nous faut une quinzaine de bois à peu près pour contrer 12 degrés, je dirais. Bon, après, on a les bois de récupération. Les bois de récupération, je les garde de côté. Ce qu'on peut faire, par contre, ça serait un feu... à côté d'un tronc d'arbre, en fait, qui est tombé, vous savez, enfin, les gros morceaux de bois. Comme ça, on peut le casser, et on est chauffé pendant qu'on le casse, parce que ça va prendre une heure à chaque fois. Et du coup, on va gagner des grosses bûches, là. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, on peut le faire. Parce qu'on va avoir froid, donc on va peut-être faire ça. Parce que notre vie est pas géniale. À la limite, on va peut-être prendre des trucs de boulot, là, pour régénérer un peu. Ce qu'on va faire... Bah tiens, on va faire un feu et on va en faire bouillir. On va en faire bouillir une et on va la prendre.
Oui, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Ça peut être une idée. Et faire cuire un peu du loup aussi. Une steak morne. Et de retour. Bon, le temps a l'air d'être de notre côté. Pour le moment, donc ça va. Alors là, on a du bois. Là, on a du bois. Là, on a du bois. Donc c'est bien parce qu'on a quand même fait 3 loups. Honnêtement, enlever 3 loups comme ça, c'est de la zone, c'est vraiment cool. C'est 1 heure, ok. Et là, et là c'est pareil. Yes, ok, ok, ok. On va faire un feu maintenant. Ok, c'est parti. On va se réchauffer. D'abord on se réchauffe. En premier on se réchauffe. On va peut-être faire le bois à côté de nous. Et après on va aller récupérer peut-être de la viande et la faire cuire peut-être. On va faire ça. Par contre on va sûrement utiliser pas mal l'allumette. De jouer comme ça, ça va être un peu... Ça va prendre pas mal d'allumettes. Alors, fais voir un peu. Faut juste qu'on arrive en positif et ça suffira. Ok, très bien. Donc j'avais dit qu'on prenait ça. On va prendre un peu plus. 2 heures de feu, ça va réchauffer. Voilà. Ok. Voilà, bien, bien, bien. Là, ça va faire 1 heure. Ça va faire 1 heure. Le feu est pas assez fort pour nous augmenter trop vite. C'est pas grave. Voilà, on mange un peu des calories. On boit un peu. Il nous reste quoi? Il nous reste ça, ça, ça. Très bien. Il nous reste encore 1 heure de feu. Il nous reste encore 1 heure de feu. Je sais ce qu'on peut faire. Tac, tac. Voilà. On va en profiter. On pourrait aller récupérer de la viande, mettre des steaks et tout ça, mais... C'est pas vraiment important pour le moment. On a beaucoup de calories sur nous. Parce que si je vais là-bas, en fait, on va avoir froid. Donc là, on est là pour se réchauffer, en fait. C'est surtout ça. Hop. On a toujours chaud, c'est bien. On va faire cuire ça. Très bien. Très bien. C'est bon, on est au max en feu. Je fais des tisanes pour que on puisse les réchauffer en fait. Ok, on a tout.
Ramasser, c'est parti. C'est pour qu'on puisse les réchauffer. Et comme ça, ça nous donne le bonus et ça nous... Bah, ça nous réchauffe, voilà. Oh, un bois à couper. Bon, on a fait 3 loups. J'espère que... Bon, ça sera un peu plus calme. Ça va, on n'a pas trop froid. Ah, c'est parfait. On a pas trop froid. J'espère que ça sera un peu plus calme maintenant. Ça, c'est à nous. On aurait dû prendre 2 torches. On aurait dû prendre 2 torches. Je crois qu'il y a du bois en pile devant, en dessous, là. Faudrait dessiner aussi. Par contre, faut récupérer du bois. Pour le moment, je vois pas d'élan. Ah, ce caillou est pas mal si jamais on se fait aggro. On n'entend pas de loup. Ah, on n'entend pas de loup pour le moment, c'est bien. On va récupérer ça. Très bien. La torche nous tient au chaud aussi. Oh, ok, loup devant. On va essayer de pas l'aggro, lui. Parce que ça servira à rien. Alors après, on pourrait faire torche-torche. Vous savez, allumer la torche. En file indienne, mais on va pas le faire parce qu'il fait pas très très froid. On va prendre ça aussi, ça va nous permettre d'en faire plus si jamais on a besoin. Ok, là aussi on en a encore. Bon, ça suffit, on n'est pas là pour ça. Ça, on s'en rappelle. Plume, très bien. Donc un loup là, il a l'air d'être paumé un peu sur son île. Parce que je pense que la glace, je suis quasiment sûr que la glace en fait doit casser. Donc il peut pas faire ligne droite vers nous. Quoique. Quoique, il a l'air de faire ligne droite. D'accord, il est en train de faire ligne droite, c'est bien. Donc, j'ai rien dit. Ah oui, non, il est complètement en train de venir. C'est sympa. Bon, c'est pas grave. Ok, faut faire gaffe à cet endroit. Ok, là, il y a beaucoup de choses. Faut faire attention. Ok, elle a l'air d'avoir beaucoup de... Est-ce qu'on peut aller là? Ok, ça a l'air d'être solide. Je pense que c'était là qu'on avait eu l'élan. Okay, il fait pas trop froid encore. Alors... Ça c'est un loup. Il y a du bois à couper. Il y a du bois à couper. Je pense qu'on va se faire ce loup là. Et on va se réchauffer ici. Il est où? Non, il nous a pas vu. Il nous a vu.
Ok. Il devrait mourir. Ok, très bien. Moins 17. Moins 17, c'est beaucoup. Je pense qu'il faudrait trouver refuge. Dans une grotte ou un truc comme ça. On va aller d'abord couper le bois. Est-ce qu'il y a une grotte là? Je sais pas. Enfin, ça a l'air de... d'être des montagnes, donc c'est possible qu'on trouve une grotte. On va aller voir. On va faire ça. Ça, ça va être pour nous réchauffer. Pour avoir le buff. Ok, faut qu'on se trouve un abri maintenant. C'est dangereux hein, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment... Si jamais ça se passe mal, on peut monter là-haut. Je vois pas de grotte. On n'a pas besoin d'une grotte, mais à proprement parler. Mais je voudrais un endroit qui soit complètement protégé du vent, au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? On va un peu sprinter pour bouger un peu. On va récupérer ça. On va dormir aussi. Parce que je voudrais dormir en fait. Je voudrais complètement dormir pour récupérer un peu de vie. Ça a l'air d'être un endroit un peu secret. Donc c'est possible qu'on trouve des choses. Du bois. Oh, il y a des cerfs. Oh, il y a la tour. D'accord. Pas mal. S'il y a des cerfs, ça veut dire qu'on est, on est tranquille. Il y a la tour. Il y a pas mal de bois. Il y a l'air d'avoir assez de... des lapins. Il y a l'air d'avoir assez d'endroits pour se cacher du vent. Donc je pense que c'est pas mal. Surplomb de muscade. C'est pas mal, c'est pas mal. Genre en... en dessous, là, on va peut-être se placer. On va faire un camp. On va faire un camp. Je voudrais juste voir s'il y a quelque chose là à récupérer. Oh. Ah ah. Yes! Attends, s'il y a des plumes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ah, voilà. Attends, il y a le sac. On verra le sac après. Ok. Très bien. On va se mettre là. C'est très bien là. On peut faire un feu là. Yes. Par contre, on va pas pouvoir sortir. Comme ça. J'ai peur qu'on se brûle en fait. C'est le feu qu'il faut protéger. Ouais, c'est bon. Comme j'ai dit, c'est le feu qu'il faut protéger à chaque fois. Nous, non, attends, on va le mettre vraiment au bord. Ok, c'est bien. Nous, on peut dormir dans le duvet. Si le feu ici il fait 3 milliards de degrés, nous, on peut être complètement exposé au vent. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas la fois que je fais un feu dans un tronc d'arbre comme ça. Je sais qu'il y en a pas mal, pas mal. On peut en trouver de temps en temps. Mais c'est assez petit. Ok, très bien. On va pouvoir se réchauffer. Alors, je pense que ces choses-là sont faites comme quoi le vent vraiment peut pas rentrer, même l'ouverture. Là, si le vent vient en face, je pense pas que... je pense pas qu'on soit dans la merde. Et que... Je pense qu'on est complètement protégé. De toute façon, je crois qu'on va avoir la réponse très vite. On va avoir la réponse très vite, je crois bien. Alors... Un réchauffement. Par contre, niveau calories... on a ça, on peut faire de l'eau. On va continuer à taper dans la viande. Voilà, on va garder... On va garder ça pour faire un appât. Intoxication alimentaire, mais c'est vraiment super, c'est vraiment super. Ça s'est cassé. C'est vraiment magnifique. On a tout, il y en a tout qui arrive au même moment quoi. C'est abusé. C'est fou. On a tout qui arrive exactement au même moment. Alors, 2 heures d'eau. On va attendre que ça se réchauffe. C'est incroyable. C'est incroyable. Oui, ça peut être la fin. J'avoue que ça peut complètement être la fin. Proche du feu. Alors, tisane de bouleau, boire. Près dans. Voilà. Pour l'intoxication alimentaire. Voilà, très bien. Voilà, 5 heures de feu. Voilà, très bien. Donc 48 minutes. On va enlever l'eau. On va dormir. Ça devrait bien se passer. On a encore 2 heures. Ça va. Faut qu'on dorme encore 5 heures. Alors on va remettre l'eau. Voilà. On a encore 2 heures de feu. Ah, c'est compliqué hein, tout ça. Hein. Ça devient vite hein, une galère là, j'avoue. On va voir si on peut pas chasser des lapins. On a encore 2 heures de feu. Ah, bah on a des steaks là à récupérer. Je pense qu'on est dans un endroit super safe. Je crois qu'on est dans un endroit super safe, donc ça va. Minutes à la scie. Ouais, il fait froid. Okay, très bien, on va aller se réchauffer. Faut qu'on dorme encore 5 heures, hein, parce qu'il faut vraiment qu'on enlève cette intoxication, là, sinon on va être dans la merde. Alors, cuir. Hop là. En plus, elle se fatigue extrêmement vite.
Donc faut qu'on... Faut qu'on passe ça. Bouille dans 26 minutes, il faut qu'on rajoute du feu. On a bien fait hein, de récupérer ça. Hein. On a vraiment bien fait. Hein. Voilà, on a 5 heures de feu. On va dormir une heure de plus. Normalement, l'eau devrait être faite et la viande aussi. L'eau devrait pas s'évaporer, j'espère. Ah, si elle s'est évaporée, je crois. Non, ça va. Ok, très bien. On a encore 5 heures. On va finir ça, tant qu'on y est. Ok, très bien. Bien nourri, yes! Yes! On a plus 5, très très bien. On a eu bien nourri. Donc elle est encore fatiguée, on a encore 5 heures de feu. Est-ce qu'on dort maintenant? Il reste quoi? 4 heures à faire? 4 heures. On va faire les 4 heures, je crois. On va faire les 4 heures. Attendez, on va boire. Fou, quelle aventure! Là, j'avoue que c'est un peu chaud. Mais ouais, faut rester calme. Faut rester calme. On est préparé, on a tout ce qu'il faut. Ok, intoxication alimentaire guérie, très bien. Ok, on est de retour à la normale. On a récupéré de l'eau, on a toujours des calories, c'est bien. Ça, on va le garder. On a encore 3 heures de feu, donc on va en profiter, c'est-à-dire qu'on va aller chasser... Ou alors, on va récupérer encore un steak, donc ça nous fera deux gros steaks. J'ai rien dit. On va aller chasser du lapin. Là, on aurait dû prendre des collets avec nous. On voit rien. Pourquoi on a toujours du brouillard sur Muskegmorn? C'est abusé. On va prendre ça. Les champignons, c'est ce qu'il nous faut hein, pour... c'est l'antibiotique. Les champignons, c'est l'antibiotique. Donc, à la limite, c'est vraiment bien aussi d'en prendre. Comme ça, on peut se soigner facilement. On va récupérer du bois, toujours, pour continuer à faire le feu. Je vois rien. Faut vraiment pas qu'on se perde, parce que je vois strictement rien. Celui-là. Très bien. Ok, on rentre. On rentre au feu. Faut qu'on récupère plus de... Ça va, on le voit. Faut qu'on récupère un peu plus de bois, parce que le feu, là, j'ai pas envie qu'il s'éteigne. Honnêtement, j'ai vraiment pas envie qu'il s'éteigne. Mais cet endroit est pas mal. Il y a du bois un peu partout. On voit vraiment pas grand-chose. On voit vraiment pas grand-chose. C'est un peu abusé. Faut qu'on boive un boulot encore. Pour que ça nous régène. Vous voyez, on peut même dormir genre à l'extérieur. Hein, et garder le feu à l'intérieur du bois. Hein, vous voyez? Donc c'est vraiment le feu qu'il faut protéger à l'intérieur. C'est important. On va le faire à la main. Non, on va le faire au couteau. On va faire les choses au couteau parce que on veut aller vite. J'ai pas envie d'avoir des mauvaises surprises. C'est vraiment des petits lapins, quoi. C'est vraiment des petits lapins. Puis dans 20 minutes. Ça.
Raichi encore, on va faire du Raichi. Le jour va se lever, je voudrais aussi encore dormir. Ok, ça c'est fait. Après, dans 10 minutes, on va faire encore un Raichi. Ok, hop, 13 minutes. Est-ce qu'on fait le reste? Peut-être 32 minutes. Ouais, c'est long. Je sais pas. On va laisser les... Je crois qu'on va laisser les lapins ici. Pour le moment. Je pense. On n'en a pas vraiment besoin. Bon, ça va plus nous poser problème qu'autre chose. Il nous faut encore 1000 calories, donc on peut manger ça. Là, très bien. Ça se passe bien. Faut tout... En fait, je dirais, il faut toujours... Oh, on n'aurait pas dû boire. Non, c'est pas grave. Il faut toujours qu'on soit assez résistant, genre assez en bonne santé, pour rusher notre camp. Si jamais on est vraiment dans la merde, on part, on court, on retourne vers la maison. Il faut toujours qu'on soit assez résistant pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas le coup de faire ça. Ah, très bien, on a encore 2 heures de feu. Ok. Alors on avait dit qu'on voulait prendre ça. C'est surtout pour récupérer de la vie. Très bien. Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire. On doit dormir, on va dormir 1 heure. Je voudrais bien que le brouillard s'arrête. Au bout d'un 30 minutes. Je voudrais vraiment que le brouillard s'arrête en fait. Je pense qu'on peut partir maintenant. Je pense qu'on est bon. Que je voudrais garder le bois qu'on a pour... le bois qu'on a pour... pour autre chose. Ok, elle est en pleine forme. On va... Théo Raichi. Ok, on en a plus. On va le réchauffer. Et on va prendre ça aujourd'hui. On va pas prendre des antibiotiques. On va prendre le thé pour avoir le bonus de chaleur. On a encore un steak. Et on a encore ça. Et on a encore les massettes. Donc on est bien. Bon, ça va. Le temps, ça va. Oups. Ok. Ok, 16, très bien. On ramasse ça, on ramasse ça. Yeah, let's go. On va prendre quelques torches. On est à combien?
32 kilos, c'est très bien. Il reste combien? 26 minutes. On va prendre quelques torches, on va peut-être les allumer les unes après les autres. C'est bon, allez, let's go. S'il a l'air d'être de faire froid. Donc pas mal cette zone, pas mal. Pas mal, pas mal. Avec des petits lapins et tout ça. J'ai vu qu'on a dessiné un coffre. Mais le coffre, c'est le sac à dos qu'on a trouvé, on est d'accord. Ouais, voilà, là, ça c'est bien, ça c'est bien. On va récupérer tous les petits bois. Comme ça, on pourra refaire la même chose encore si on a des problèmes. On a un cerf, on peut même chasser le cerf si on veut. C'est un très bon endroit ici. Bon, c'est gardé par un loup. Bon, on l'a tué, mais c'était gardé par un loup, donc ça, c'est un peu le problème. Mais très, très bon endroit. On va prendre ça aussi. Alors, c'est pas du reishi, mais encore une fois, hein, la tisane, on la réchauffe, on a le bonus. On va juste monter, vite fait, voir s'il y a pas quelque chose. Juste au cas où. Il n'y a rien. Hop. Alors faire ça, ce qui est embêtant, c'est que les torches, en fait, bah du coup... Oh la vache. Vous les récupérez pas. Celles qui sont par terre, parce qu'il faut qu'elles se consument. Oh la vache. Et vous n'allez pas attendre en fait qu'elles se consument et les récupérer, parce que vous en avez déjà une dans la main. Donc vous pouvez pas faire ça. Donc ça, c'est un peu le problème, parce que avoir les torches et les recycler, c'est important quand même dans le jeu. Alors ce que je voudrais faire maintenant, le prochain feu, ça va pas être de le faire à côté d'un animal, mais à côté d'un bois pour pouvoir casser le bois. Pouvoir récupérer des bûches. Donc c'est ça, parce que les calories pour le moment ça va très bien. Ça va très très bien, donc mais c'est le bois, voilà, c'est le bois. Bon, c'est bien, il fait pas trop froid. On arrive à tenir avec les torches. Ah. Pas mal. Pas mal, pas mal. On a une grotte ici. Oh! C'est du charbon par terre. Hein. Ça, c'est bien, ça. Où est-ce qu'on est? Grotte. Ok, du coup, on se réchauffe. Oh la vache! S'il y a une grotte ici, c'est énorme parce qu'il fait très chaud dans les grottes. Donc du coup... Ah, du coup on peut faire un camp ici. On n'a même pas besoin du sac de couchage, rien. Parce qu'on a beaucoup de calories, on peut rester là. Oh, c'est énorme, c'est vraiment bien.
On peut complètement camper ici. Je veux juste aller à l'autre bout. Oh, yeah, 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 yeah. Ça, c'est bien, ça. Sac. Va falloir faire le tri de ce qu'on récupère. On peut monter. Il y a même un lit. Elle va faire tomber la torche. Ça va être un problème. Alors, attends. Par contre, mets pas les pieds sur la torche, s'il te plaît. Merci. Ok, ça a pas marché. D'accord, je crois qu'on peut pas le faire. On a trop d'intelligence, le jeu nous le refuse. Ah yes, on l'a fait. on a trouvé un système. On a trouvé une parade. Yeah, yeah, je sais. Ouh. Fusée nautique. Ouh, la vache. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va lui faire mal, ça. Putain, il y a plein de chemins, quoi. Mais où est-ce qu'on est, qu'on est. Par contre, c'est embêtant, c'est qu'on n'a pas de torche. On n'a pas trop de torche. On va devoir trouver un endroit là parce que on va devoir trouver la sortie. Il y a encore un chemin sur le côté droit là quand on était en hauteur. Qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas exploré. C'est un labyrinthe de fou. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on continue d'allumer des torches ou on... Parce que là, on va avoir un problème. On a plein de charbon. Ok, on a trouvé la sortie. Ok, je sais pas où on est. Je sais pas si c'est pas une nouvelle pour une nouvelle zone ou un truc comme ça. Cric lugubre. Bon bah on a un temps de merde déjà. Attendez, parce que on est très lourd. On est très lourd. Cric lugubre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle zone ou pas? Alors on va faire, on va aller à la lumière. Alors, pouf. Déjà on fait ça.
Ah, et c'est bien parce qu'il y a un lit, on peut dormir. Bon, on a le sac de couchage, non, mais on a récupéré donc la fusée nautique. Fusées nautiques sont plus brillantes et bruyantes et peuvent même repousser les loups gris. Donc, fun. On a beaucoup de bois. Je crois que ça, on va les poser pour le moment. Donc, et ça aussi. Et on est à 36 kilos. 36 kilos, on va faire ça. Ok, en calories, on se porte comment? On est à 1700, on va manger ça. Ok, on va être en dessous des 35 dans pas longtemps. Donc, ça va. Ce qu'on va faire par contre, c'est une torche parce qu'on a du tissu, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va faire une torche. Parce que la grotte est un peu. On peut en faire encore plusieurs. On peut encore en faire trois. Très bien. On a bien fait de garder l'essence du coup. Le petit réservoir là. Oh la vache. Et c'est moins lourd en fait de faire les torches, vous voyez qu'on est passé à 34-73. Donc à la limite c'est mieux de faire les torches. Et oui, on va garder le reste pour le moment. Ok. C'est bon, allez on va visiter. Donc le coup d'avoir trouvé cette grotte, c'est vraiment bien parce que comme j'ai dit, il fait quand même chaud dans les grottes. Et du coup, ça nous aide énormément pour se réchauffer. Je voudrais bien dessiner. Oups. Voir où on est. Cric lugubre. Je connais pas vraiment cet endroit. Est-ce que c'est une partie de Muskeg Morn? Delta gelé. Ah, un peu froid. Ça a l'air d'être grand. Je sais pas trop ce qu'on va faire. Je crois que faudrait que j'arrête l'épisode parce que aussi on a beaucoup de temps. On va aller se réchauffer, je vais dormir et... Parce qu'elle commence à être un peu fatiguée. Je voudrais un peu de récupérer de la vie en fait. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas trop de vie, donc ça c'est un peu emmerdant. C'est ça qui m'embête, c'est qu'on n'a pas trop de vie. Et se balader comme ça dans une nouvelle zone sans vie, c'est un peu le problème. Surtout qu'il fait froid, donc on peut pas trop rester. Bon, on a plein de bouts de bois, c'est bien, on va pouvoir faire un feu à l'extérieur. Faut que je fasse un peu un tri de ce qu'on a. Recycler. Faut que je fasse un tri, faut que je regarde un peu la situation là. Est-ce qu'on continue? On a encore trois trucs comme ça, on peut se remettre un tout petit peu de vie. C'est bien. Parce que là, ça devient dangereux en fait. On a pris notre dose aujourd'hui. On a encore les médicaments, donc on peut continuer à prendre notre dose. On a encore des raichi, ça. On peut se réchauffer avec. On a le fétou, donc on peut faire de l'eau. Les calories, on a encore ça, ça, ça. Et après, on a vraiment les massettes si on est dans la merde. On peut continuer. On va dormir. On va dormir pour qu'elle se repose au maximum. Et on va voir si on peut pas avoir un meilleur temps.
J'aimerais bien aller dormir dans le lit, mais je crois qu'on va utiliser le sac de couchage. Parce que j'ai pas envie de rallumer des torches en fait. Là on a déposé du charbon et avec un bois si jamais on a besoin. Non non c'est bien, c'est bien. On peut survivre, y a pas de problème. Mais ça va être dangereux, voilà, ça va être dangereux, faut faire attention. Dormir. Et on va mettre fin à cet épisode. Je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. On était allé chasser un élan. Maintenant, on se retrouve dans un autre monde. Donc, la crique lugubre. La zone a l'air d'être extrêmement grande. Muskegmore, nous, on était là. Ça, c'est la forge. Ça, c'est le surplomb. Donc, la grotte, elle est par là, je crois. Et là, c'est pour repartir. Intéressant. Intéressant, faites voir un peu. Muskegmore, crique lugubre. Crique lugubre, c'est ça. C'est tout ça alors. Donc nous on devrait quoi? On devrait être en surplomb en fait. Ouais, je pense qu'on est. Parce que nous on venait de là, après on est monté. Et on a pris la grotte ici, je crois, à peu près, on va dire. Ouais, je pense que on est en surplomb par là. Et apparemment, il y aurait plein de... Enfin, ces rivières, quoi. Et on peut retomber sur le ravin. Lac Mystère, peut-être. Ouais, ça fait peut-être un cercle, en fait. On peut peut-être faire ça. Je sais pas. On va voir. C'est intéressant. Intéressant. Bonne nuit.